Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, j'avais envie de cette vidéo, je vous la fais parce que je vous avais posté un sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, je vous mets mon Insta ici. N'hésitez pas à me suivre. Je vous ai posté un sondage, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur cette technique qui nous vient tout droit de Corée. C'est une technique qu'on appelle soit Boreal Nails, soit Aurora Nails, comme on veut. En fait, c'est une technique où on a besoin de poudre chrome, ainsi que de feuilles, de foil, comme ça, un peu papier foil, un peu arc-en-ciel. Donc, je vous montrerai tout ça en détail. Donc, j'avais fait la pose sur April, sur ma main d'entraînement. Et ça vous a plu, donc je me suis dit, voilà, il faut que je leur fasse une vidéo. Donc j'ai regardé un peu des tutos pour voir un peu comment ça se fait. Et puis finalement, j'ai décidé de le faire à ma sauce. Donc j'ai préparé deux ongles. Aujourd'hui, je vais vous faire sur deux techniques. Je vais vous le faire sur capsule américaine. Et j'ai sacrifié deux ongles, regardez, je les ai préparés déjà. Donc on va faire une technique avec ongles capsule américaine, excusez-moi. Et une technique avec une extension en gel sur chablon. Voilà, donc comme ça, au moins on verra les deux techniques. Donc pour cette technique, on aura besoin capsule américaine. Donc moi je vais utiliser les squares de chez les carrés de chez Ongle 24. On a besoin d'un chablon, puisque moi je vais faire tout dépend de ce que vous allez utiliser comme technique. Moi pour le coup, comme j'utilise les deux, je vais faire les deux techniques. Donc je vais avoir besoin de capsules américaines, d'un chablon. Je vais avoir besoin d'un gel clear pour faire mon extension, d'un gel de construction et clear. Je vais avoir besoin d'une gommie base pour la technique américaine. Donc là je vais utiliser celle de chez Ongle 24, la clear. On va avoir besoin de papier foil, à ne pas confondre avec le foil qui se transfère. Hein. Ça, c'est du foil que j'avais pris sur Ongle 24, mais qui ne se transfère pas en fait. C'est un foil qui est super joli, il a des effets un peu boréal, un peu aurora, vous voyez, avec des effets comme ça transparents. Et qu'on met sous construction en fait, parce que ça se transfère pas. Donc celui-ci, après vous en trouvez partout, hein. Moi je l'avais pris sur Ongle 24. Et vous aurez besoin d'une poudre, chrome. Voilà, donc moi celle-ci je l'avais prise pareil sur Ongle 24. Et elle a plus des tendances un peu rosées, vous voyez. Donc c'est une poudre et on aura besoin d'un embout mousse pour étaler, ou bien soit un embout mousse, soit avec votre doigt comme vous voulez, mais moi là je vais utiliser quand même un embout mousse. Voilà, donc une fois qu'on a tous les ingrédients, on va commencer. On va essayer également d'incruster des petites paillettes avec des reflets boréales, des reflets aurora un peu, vous voyez. Donc on va essayer d'en incruster dans la pose, on verra ce que ça donne. Alors, on va commencer par utiliser la méthode chablon, extension. Donc, pour cela, j'ai préparé déjà mes ongles. Hein. J'ai fait la préparation des ongles. J'ai déjà mis ma base que j'ai catalysée. Donc là, maintenant, on va commencer. J'ai mis mon chablon, je l'ai positionné et tout parce que je n'avais pas perdu du temps avec ça. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de vous montrer la technique. Hein. Donc après, voilà. Donc, pour cela, on va commencer à faire notre petite extension. Donc, j'ai utilisé le Totally Clear de chez Victoria Vin pour faire mon extension. Donc je vais prendre, là je vais faire une forme un peu, un carré un peu rentrant. Donc je vais mettre une petite boule ici à la jointure de mon ongle et on va gentiment commencer par, oh mince, je suis hors champ. Par faire l'extension. Donc l'extension, je vais pas faire une grande longueur, je vais aller jusqu'au numéro 2. Voilà, donc j'ai fait un côté,
je fais l'autre. Donc vous voyez, je fais juste la jointure, je mets le gel au niveau de la jointure de mon ongle. Et je recouvre bien les points de rupture. Et voilà. Voilà, une fois que j'ai bien l'extension, c'est pas la peine de la faire trop épaisse. Ce qu'il faut, l'essentiel, c'est de bien recouvrir les points de rupture. Voilà, et là j'envoie au four 30 secondes. Voilà, après catalysation, je vais retirer mon chablon parce que j'en ai plus besoin. Donc je pince les extrémités et je tire vers le bas, jamais vers le haut, toujours vers le bas. Et donc voilà, mon extension est faite. Voilà, j'ai fait mon extension. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais dégraisser et je vais faire une petite mise en forme. Voilà, donc je lime très doucement, histoire de... c'est pas la peine d'aller très fort, parce que vu que on n'a pas mis beaucoup de gel, voilà, il faut juste limer, voilà. Et après ici, c'est juste pour aplatir un petit peu. Une fois que j'ai limé mon extension plus ou moins rapidement, hein, je l'ai mis à la longueur que je voulais, que je l'ai limé, je vais mettre une fine couche de gel. Ça va être pour moi, on va dire, comme une sécurité, parce que pour la dépose, vous voyez, je saurai que quand je vais faire ma dépose, quand je vais retirer le foil, ben je sais qu'après j'ai encore une sécurité. Donc une fois que j'ai catalysé ma fine couche de base, que j'ai catalysé 30 secondes, je vais mettre une couche de finition. Donc là je vais utiliser la finition miroir de chez M-Nails. Donc c'est une finition sans résidus. Donc pour l'étape d'après, j'ai besoin de mettre cette fine couche de finition sans résidus. Donc je la mets sur tout mon ongle. Voilà, hop, je la mets et je catalyse 60 secondes. Alors, une fois que j'ai catalysé ma finition 60 secondes, je vais prendre ma poudre chrome, qui est dans les tons de rosé, hein, et donc je prends mon petit embout et je vais mettre, voilà, mon effet chromé sur tout l'ongle. Vous voyez, donc ça a un joli reflet. Vous voyez, on le voit à la caméra, c'est super beau. Donc je mets mon... Je frotte bien comme il faut. Vous voyez, j'hésite pas à frotter. Et voilà le rendu. Vous voyez, donc déjà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau et je vais dépoussiérer, enfin enlever tout le résidu. Donc une fois que j'en suis là, je vais remettre une fine couche de gel par-dessus, voyez. Voilà. On met une fine couche de gel. Voilà, donc j'ai mis une fine couche de gel de construction. Donc après avoir mis mon gel, je vais découper, comme ici là, vous voyez, des morceaux de foil. Moi je préfère faire comme ça, parce que de mettre un foil entier, c'est pas évident, ça colle mal. Donc moi je préfère faire comme ça. Donc je prends des bouts de foil, vous voyez, et je viens les coller
voyez, sur mon ongle. Mais je préfère faire bout par bout. Vous voyez, ça colle mieux. Donc je colle sur une couche de gel que j'ai mis au préalable, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais remettre un autre morceau. Parce qu'en fait, quand vous le faites d'un bloc, eh ben, ça gondole, quoi. Ça remonte de tous les côtés. Alors que là, en mettant morceau par morceau, même si vous les collez comme ça, ben, je trouve que ça adhère mieux. Moi, je vous parle par rapport à mon expérience, hein, enfin à mes tests que j'ai fait. Hein. Moi, je suis plus à l'aise avec, avec cette méthode. Et ici, vous voyez, là, il y a des trous, et ici, là, il y a des manques et tout ça. Ben, moi, ce que je vais faire, je vais rajouter mes petites paillettes. Mes petites paillettes, tout simplement. Allez, moi, je vais mettre des petits papillons, parce que j'ai envie de papillons. Donc, voilà, on va mettre les papillons. Alors là, je vais mettre les papillons là où il y a des trous, en fait. Là, hop, là. On va mettre un papillon là. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et là. On en met un dernier là et encore un là. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon foil, vous voyez que j'ai collé mon foil sur le gel. Et que j'ai mis mes papillons, ben je vais mettre à catalyser 30 secondes. Donc une fois que j'ai catalysé, et ben je vais faire ma petite construction. Tout simplement. Voilà, donc je prends une petite boule de gel. Ah, c'est pas évident, parce qu'il faut que vous voyez aussi ce que je fais. Et je vais commencer par la placer sur tout mon ongle. Vous voyez? Et en plus, c'est super beau parce que ça fait un effet aquarium, quoi. Donc, c'est super joli. Ah, il y avait un petit papillon qui était collé. Ben alors. Voilà. Et donc je fais ma petite construction gentiment. On va mettre un petit peu là. Il vaut mieux en rajouter au fur et à mesure. C'est-à-dire que là je suis en position un peu bizarre. Et j'ai la caméra juste devant mes yeux. Bon allez, je vais pas trop me plaindre. Steph, tu te plains trop. Voilà. Voilà, une fois que je suis satisfaite de ma construction, ben j'envoie à catalyser. Voilà, du coup, je viens de catalyser 60 secondes. Donc, ce que je vais faire, je vais dégraisser mon ongle et faire la mise en forme. Alors, une fois que j'ai fini ma mise en forme, que j'ai tout bien limé, les parallèles, enfin, tout l'ongle, une fois que j'ai tout bien limé, je vais mettre une couche de finition. Et là, pour le coup, j'ai choisi la finition miroir de chez M-Nails. Donc, voilà, on va mettre. Et puis là, c'est là où tout va se révéler. C'est mon meilleur moment que j'aime. C'est au moment de la finition parce que c'est là où tout... Oh, c'est là où tout est révélé. Toute la pose, regardez. Waouh, regardez. Oh là là, mon Dieu, que c'est beau. C'est trop, trop beau. Donc, toujours, on met la couche, on se rapproche des cuticules, mais sans les toucher, toujours. Moi, j'aime bien me mettre face à moi quand je mets ma finition pour bien voir ce que je fais et pour ne pas en mettre partout. Oh, mais en tout cas, waouh, waouh, waouh. Alors, tout dépend de comment vous vous positionnez.
En tout cas, ce foil, il est super bien. C'est un foil que j'avais pris sur Ongle 24. C'est du papier foil et il est génial. Mais écoutez, hein, que dire de plus, hein, ben je vais catalyser 60 secondes. Alors, écoutez, ben, le rendu, que dire, hein, c'est magnifique. Je trouve ça super, super joli. Ça brille de mille feux. C'est super original. Par contre, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai envie de remettre la poudre chrome encore par-dessus et de remettre la finition. J'ai envie de tester ça, donc ben, je vais le faire. Donc déjà, vous voyez, on le voit déjà sans ça, on voit le rendu. Et moi, j'ai envie de retester, donc on va voir ce que ça donne. Alors peut-être que ça fera pas bien, je sais pas, mais en tout cas, ben, vous me direz en commentaire, tiens. Comme j'ai mis une finition sans résidu, du coup, ben... Voilà. Et on va remettre de la finition et on va catalyser. On dépoussière déjà. Voilà. Ouais, moi j'aime bien comme ça, je préfère comme ça moi. Alors on va faire ça. Alors ma finition, ça c'est pas une finition que j'ai spéciale pour les poudres. Donc quand ça vous arrive ça, ce que vous faites, vous prenez une petite palette, vous mettez un peu de finition dessus pour ne pas la bousiller, vous voyez, pour ne pas mettre des paillettes dans votre finition, parce qu'une fois que votre pinceau a touché la poudre, elle sera pailletée en fait. Et donc moi je prends un pinceau avec ma finition que j'ai posée sur ma tablette et je vais mettre ma finition avec ce pinceau, comme ça au moins je suis sûre de ne pas bousiller ma finition. Donc après catalysation, après avoir mis une couche de poudre, une fois que j'ai tout terminé et j'ai remis une couche de finition, ben moi je préfère ce rendu. C'est un peu plus opaque, mais un peu plus holographique, je trouve. Un peu plus boréal, aurora. Moi je préfère ce rendu-là. L'autre, ça faisait trop transparent, je sais pas, ça me faisait bizarre. Moi je préfère ce rendu. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais bon, ben, dites-moi en commentaire. Ce que vous préférez, si vous préférez avant que j'ai mis la poudre ou après. Bah, une fois qu'on a terminé, on laisse refroidir la finition 30 secondes et on met notre huile à cuticule. Là, pour le coup, j'ai choisi l'huile à cuticule, la Mademoiselle de chez Nails Company, qui sent super bon. C'est celle-ci, la Mademoiselle. Elle sent super bon. Et donc... je mets ma petite finition au pinceau, j'en mets bien autour, j'en mets bien ici, et voilà. Voilà, super joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais oh, moi je trouve que c'est magnifique. Donc là, on va passer à la technique américaine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découpé déjà mes papiers foil et j'ai préparé mes petits papillons holographiques au cas où, voilà, on verra s'il y a de la place. Donc, j'ai pris une capsule américaine en forme square, comme ça, de chez Ongle 24. Comme je disais, je vérifie bien, voilà, que la capsule s'emboîte bien de part et d'autre de mon ongle. Donc là pour moi c'est nickel, elle s'emboîte parfaitement. Une fois que l'on a choisi la taille adéquate par rapport à son ongle de la capsule, moi aujourd'hui je vais mettre du primer sans acide à l'intérieur de ma capsule parce que je veux éviter de faire de la poussière. Donc je vais choisir le multibond de chez M-Nails. Bon, la bouteille, elle est un peu cracra, mais voilà. Mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre du primer sans acide. Et en fait,
si vous voulez ne pas poncer la capsule à l'intérieur, vous pouvez mettre soit de l'acétone, soit un primer sans acide. Voilà, donc j'en ai mis partout, j'attends un peu que ça sèche. Et une fois que ça sèche, ce que je vais faire, je vais, étant donné que sur l'autre doigt, j'ai mis en fond de la poudre, de l'effet de la poudre chrome, cette fois-ci, je ne vais pas mettre la poudre chrome à l'intérieur de la capsule, parce que si je la mets à l'intérieur, en fait, quand je vais retourner, c'est ce qui va apparaître devant, en premier, et moi, je ne veux pas. Donc, je veux de la brillance. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma poudre chrome sur mon ongle. Donc, pour cela, j'ai mis ma couche de base déjà. Donc, je vais mettre ma finition. Donc, là, je vais choisir la finition miroir de chez M-Nails. Donc, c'est une finition sans résidus. Donc, j'en mets sur mon ongle. Voilà, hop. Je mets une fine couche et je vais catalyser. Voilà. Je retire. Hop. Voilà, et je vais catalyser 60 secondes. Une fois que j'ai catalysé ma finition, donc je rappelle que j'ai mis déjà en dessous une couche de gumi base, c'était mon gel de base, pour une sécurité pour ma dépose. Je fais toujours ça moi. Donc j'ai mis une couche de base et là maintenant je viens de mettre une couche de finition sans résidu que j'ai catalysé 60 secondes. Donc là je vais mettre ma poudre chrome. Je rappelle qu'on va faire la même, le même, la même technique mais sur capsule américaine. Donc je prends mon embout mousse et je frotte sur mon ongle, en fait sur la finition que je viens de mettre. C'est un effet chrome un peu dans les tons avec des reflets un peu roses. C'est super joli de chez Ongle 24. Hein. Donc là, je vais prendre. Bon, c'est pas grave, après on enlèvera avec un coton et de l'alcool. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter une fine couche de gumi base clear à l'intérieur où je vais coller mes foils. Alors l'avantage de faire cette technique, je vais prendre un support peut-être. L'avantage de faire cette technique, c'est que le fait de mettre la base, ça va faire que renforcer la capsule. Donc c'est pas vraiment pas plus mal. Alors moi, voilà, donc j'ai pris un petit support comme ça, je suis plus à l'aise. Je prends de la base, de la gumi base et j'en mets, voilà, une fine couche. Hein. Pas la peine de mettre une couche épaisse. Pour l'instant, on ne va pas coller la capsule. On met la gumi base uniquement pour coller le foil. Voilà. Donc une fois qu'on a mis la gumi base, on va prendre. Voilà, on va prendre des foils. Donc, vous voyez le fait de couper le foil, ben ça adhère mieux en fait que si vous le laissez en gros morceaux, ben ça va pas le faire. On va prendre celui-là. Allez. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis mon foil à l'intérieur de la capsule. J'espère que vous voyez bien. Alors après, il reste des petits espaces. Bon, alors là, la capsule, sachant que je vais la couper, donc je vais peut-être pas trop la charger. Je vais peut-être mettre un petit papillon. Ouais, non plus là. Je vais prendre ici. Je vais peut-être mettre un petit papillon. Alors, je vais prendre un petit pinceau fin. Donc voilà, je prends un pinceau fin pour attraper mon papillon. Je vais peut-être en mettre. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je catalyse 60 secondes. Donc, une fois qu'on a sorti de la lampe, ben voilà ce que ça donne.
Donc on a bien notre foil qui est collé donc de l'intérieur. Et donc là maintenant je vais coller ma capsule sur mon ongle. Donc je vais faire le protocole de d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre un peu de gel ici. Alors je vais remettre une fine couche pour bien sceller le foil, et je vais racler au niveau des cuticules. Voilà, j'ai ma lampe qui est à ce niveau là pardon, okay. On voit le faisceau violet ici là par là. Voilà, donc je mets ma lampe là et je vais coller ma capsule. Alors allez, je vais coller. Voilà, donc j'ai catalysé la capsule. Donc comme je veux qu'elle soit de la même taille que celle-ci, ben je vais la couper avec la guillotine. Voilà, donc je vais l'allumer pour qu'elle soit de la même taille et je reviens. Voilà, donc une fois que j'ai coupé la capsule et que je l'ai limée, je l'ai mis la même, plus ou moins à la même longueur. Eh ben écoutez, hein, la révélation, hein, c'est la finition. Donc on va mettre la finition qui va révéler la pose. Vous voyez? Et là, dans ce doigt, je vais pas mettre je vais pas mettre la poudre holographique par-dessus, la poudre chrome, pardon. Je ne vais pas la mettre par-dessus, je vais laisser vraiment. Voilà. Je vais laisser la pose telle qu'elle. Voilà. Vous voyez, comme ça, on voit bien la différence entre là où j'ai mis la poudre chrome. Une fois que j'ai tout terminé, j'ai mis ma finition, j'ai remis de la poudre chrome par-dessus et j'ai remis de la finition. Et du coup, c'est moins transparent que là. J'ai mis la poudre chrome sur l'ongle et j'ai mis les foils à l'intérieur de la capsule, mais sans remettre de la poudre chrome. Donc, je vais catalyser. Voilà, donc après avoir mis la finition, vous voyez le rendu, c'est deux rendus différents en fait. Donc vous voyez, donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez le côté un peu plus mat, enfin un peu plus opaque que le côté un peu plus brillant. Vous voyez, après c'est à vous de voir. Donc maintenant on va terminer avec la finition Mademoiselle de chez Nails Company. Donc on va mettre, voilà. Et voilà. Écoutez, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, si vous préférez ce rendu-là par rapport à ce rendu-là. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait. Moi, personnellement, j'aime bien les deux. Après, voilà, j'aime bien les deux. Après, tout dépend, mais j'aime bien les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ma technique, vous la referez. Si vous la referez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, par exemple. Ça me fera plaisir. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Une nouvelle vidéo. Bye bye. Make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini.